Bon, alors là, ça devient très intéressant. Est-ce que j'ai reçu une invitation pour passer une nuit dans un hôtel hanté? Yo les crocs, c'est Toshikro et bienvenue aujourd'hui sur Hotel Remorse. Alors c'est un petit indie horror game que j'ai trouvé. Alors le problème c'est que c'est vraiment un indie horror game. Donc à mon avis ça va pas être ouf, mais il y a peut-être moyen de se faire de petites frayeurs. Allons-y! Oh putain! J'étais pas prêt. Bon et ben nous voilà en jeu les crocs, donc voilà notre chambre d'hôtel. Plutôt cool. On a une petite note ici, je vais quand même essayer de traduire. Hélène est enceinte. On n'avait pas du tout prévu ça. Mais on devait juste l'accepter, car c'est la seule femme que j'aime. Encore heureux. On va affronter ça ensemble et on va bientôt se marier. Bah félicitations Hélène. On applaudit bien fort Hélène. Pour être ensemble toute la vie, d'accord. Eh ben, hey, y aura peut-être même pas besoin de traduction, je vais traduire en direct. Je deviens bon, hein. Je deviens très bon. Allez, on va... On va sortir de la chambre, c'est parti. Alors, on a une espèce de long couloir, là. Alors, par contre, ça scintille, hein. Putain, le jeu est vraiment pas très beau. J'avais pas prévu ça. Il faut savoir que je suis en ultra, là. J'étais dans les options du jeu, je me suis foutu en ultra. Ultra 2017, les crocs. Alors, on n'a pas de lampe. On va essayer de continuer dans cet hôtel. Putain, ça me fait penser à un film, ça. Ah, ça me fait penser à un film, je sais plus quoi. Peut-être la série American Horror Story. Hôtel. C'est un peu ce délire-là, les longs couloirs d'hôtel sombres avec la vieille tapisserie. Ah, on a une note. 17 septembre. Comment cela s'est passé? Ça n'était pas censé comme ça que ça devait se produire. On devait se marier et être ensemble toute notre vie, mais elle est partie. Bah alors, Hélène, qu'est-ce que t'as branlé? Elle aurait au moins pu essayer de sauver l'enfant. Ah ok, ça parle direct d'enfant. Donc ah oui, bah oui, elle était enceinte, je suis con. Ok. Ah! Putain! Il y a une porte qui s'est ouverte. Ouh ! Bah écoutez, ce que je propose, c'est qu'on y rentre. Alors, une chambre encore. Oh putain, la porte qui vient de se fermer derrière moi. On va lire cette putain de note. Oh putain, ça va être dur. Ça va être très très dur à traduire là. Bon, c'est une page blanche. Hein. Ok, il n'y a rien dessus. Très bien. Est-ce que je peux sortir ? Oh, je peux pas sortir ? Putain, nous enfermer. Il va se passer un truc. Ok. Je suis prêt, je suis prêt. Oh ! Oh, c'est bien foutu! D'accord, t'as un couloir caché dans l'armoire. Et le mur se ferme derrière nous, putain! Nope! Surtout pas! Fais pas le con! Y'a un truc qui clignote là-bas, on y va. Je suis pas trop rassuré. Je suis vraiment pas rassuré, là. Hélène? C'est toi? Oh! Le bébé. Le bébé est né. Mon fils. Mon fils est né. On a une note. 21 septembre. Je me suis perdu ici dans cette noirceur. Dans ces ténèbres. Ces cris me réveillent la nuit. Pourquoi il ne veut pas se la fermer? S'il vous plaît, faites qu'il se la ferme. Juste ferme ta putain de gueule. Hélène, where are you? Hélène, où es-tu? Bon, on dirait qu'Hélène s'est barrée avec un autre. Oula. La lumière vient de se rallumer, nickel. On continue. C'est quoi, c'est une prank? Hélène, t'essaies de me faire une prank? Gauche ou droite, les crocs? Tout droit. Putain. Bon, y... What? Oh putain. Oh putain. Les murs, ils se rapprochent. Les murs, ils se rapprochent! Je vais mourir. Là, il y a une clé, vite! Vite, 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 vite! 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 Yes! Putain, c'était moins une. Salut, fiston! Alors, viens dire bonjour à papa. 24 septembre. Finalement, il a réussi à s'endormir. Il s'est tait. Il s'est tu. Enfin, il se l'est fermé, quoi. Je pensais que ça allait m'aider à m'endormir, mais au final, pas du tout. Je n'arrive toujours pas à m'endormir. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon esprit est perdu sans toi, il faut que tu reviennes, Hélène. Ok. Bon. Hélène a disparu, donc. Je crois que notre objectif, c'est de retrouver la petite Hélène. Pour lui refaire des bébés.
Bon bah écoutez, on va continuer tranquillement. Dans cet hôtel absolument magnifique. C'est du 5 étoiles sur l'échelle de l'horreur, ça. Ah, encore une note à terre, on va aller la lire. J'aime bien l'histoire, j'aime bien la petite Hélène, le petit bébé, tout ça, j'aime bien. I'm coming for you. Ah, ça j'aime moins par contre. Ça j'aime moins. Ok. Ok. Oh, c'est mon tourisme. Eh, les bruits sont hallucinants. Mes oreilles saignent. Ça se voit pas avec mon casque, mais mes oreilles saignent. Allez, on y va. Je sais pas où on va, mais on y va. Let's go. Et nous sommes à l'étage 666. Eh ben écoutez, ça c'est un étage qui me réconforte, tu vois. J'ai envie d'y aller là. Qui oserait avancer dans ce couloir? Non, honnêtement. Même si on est dans un jeu là, les crozes, jamais je pourrais y aller là. Oh putain, il va me falloir du courage. Putain, on n'a pas de lampe torche en plus. Allez, on y va. Je le savais. Et c'est la fin. Made by Charlie Bian. Wow. I'm loving memory of T-Bag 2013. Le mec, il a quand même mis son... Thanks for playing. Bah, merci à toi. Ah, et le jeu s'est quitté direct, ok. Le mec a quand même mis son hamster à la fin de son horror game. Ça, c'est... putain, rien que ça, mec. Mais putain, t'es un dieu, quoi. Et rien que pour ça, ton jeu est bon, Charles. Et RIP l'hamster. On applaudit bien fort. Bon, alors effectivement, ça faisait très indie horror game, mais bon, ça m'a quand même plu. L'histoire était... Bon, j'ai pas tout compris. Je sais pas ce que venait foutre le démon dans cet hôtel. On sait pas où est Hélène. Mais c'était quand même plutôt pas mal. Écoutez, Cro, je laisse le lien du jeu dans la description, totalement gratuit. Foncez. Si cette vidéo vous a plu, les Cro, n'hésitez pas à laisser, comme d'habitude, un petit like. Ça me ferait très plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochains horror games. Merci aux tipeurs. Putain, je vais tuer le micro, là. Merci aux tipeurs pour votre générosité. À bientôt, les Cro, je vous laisse là. Portez-vous bien. Ciao!